Bonjour, vous êtes ici au Grand Reportage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs accidents malencontreux que plusieurs personnes causeront à cause de leur vitesse. Chacune personne a le choix d'aller vite ou lent en conduisant. Maintenant, nous allons vous parler de la vitesse au volant. Maintenant, nous allons vous présenter un de ces jeunes. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, monsieur, comment ça va? Bien, et vous? Excellent. Pour commencer, nous désirons que vous vous présentez votre char. Ah, mon char, ça c'est un Toyota. 2009, puis regarde, il va bien, il va vite. Moi j'aime ça. Je dis à tout le monde qui veut s'acheter une Toyota, achetez-vous une Yaris. Une sedan 2010, il n'est pas plus fiable. Moi je vous le dis, regardez le signe, comment il est beau. Regardez le moteur, un VVT, on voit ça nulle part ailleurs. Hey, l'huile s'en va jamais. Il y a tout le temps du windshield washer. La batterie dure 100 ans. Moi là, le seul char que je considère qui meurt que ça va, c'est le char de musique. La valise est spacieuse. Hey, il y a même des stickers qui viennent avec. Moi là, ce char-là, là, sérieusement, il est ticker là. Regardez ça. Il passe pas tout seul. Pas besoin d'anti-vol. Non, pas besoin de ça nous autres. Regardez, il y a même. Hey, c'est même custom ça. Hey, il y a du rangement. C'est spacieux, on va se le dire. C'est manuel. Les jeunes qui veulent commencer à conduire, c'est parfait pour eux, on va se le dire. Maman, papa, achetez ça à votre enfant, il va adorer ça! Il a de nombreux accidents au Québec et au Canada, ces temps-ci, par la vitesse causée par les voitures. Et vous, avez-vous déjà eu un accident? Ah, moi, jamais eu d'accident. Pas encore, en tout cas. C'est vrai que ça fait juste 2 semaines que j'ai mon permis, mais c'est pas grave. On va se le dire, j'ai pas eu d'accident. Pas d'accident? Non. Pas de décès dans votre voiture? Oui, il y a un décès la semaine passée dans mon auto. Vendredi passé, il y a un gars qui l'a. Tu vois ce char-là? C'est 103 horsepower. Tu te le dis là, dans ta tête, là, dans ta petite tête. Là. Combien est-ce qu'il va ce char-là? Ça va à 300, on va se le dire. Il y a un gars, là, il est tellement allé vite qu'il a fait une crise cardiaque dedans. Ben, ça, c'est pas de ma faute. Comme je vous l'ai dit tantôt, tout le monde le veut. Il y a juste un gars qui peut l'emprunter. Il a fait un accident avec, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Je l'aime pareil, je crois. Et votre voiture ne semble pas endommagée par ces accidents? Non, regarde. Ce char-là, je te l'ai dit tantôt, les assurances, ils couvrent tout. C'est un char, je te le dis. Il y a la Yaris, puis il y a Dieu juste en dessous. Pas compliqué. Et vous arrive-t-il de faire de la vitesse? Ben, c'est sûr. Quand moi, tu parles de vitesse, est-ce que c'est de la vitesse rouler 100 dans une eau de 50? On pourrait considérer comme oui, mais. Bah, moi je te dis non. Parce que 100 dans une eau de 50, ça dépend des limites. Mes limites à moi, c'est 150 et plus. Mais vu que ce choix-là va à 300, moi je vais aller à 150 parce que 300 c'est par 2, 150, tu comprends? Puis quand tu vas 150 c'est par 2, là, ça veut dire 75. 75 pas assez vite. Moi là, j'ai 3 filles, 4 chiens, puis en plus, s'il arrive un accident là, avec ma fille, ou exemple avec ma femme enceinte, qu'est-ce que je vais faire si je roule pas 150? Je ne pouvais pas arriver à temps. Je suis obligé de rouler vite. Mais dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de te dire là? C'est qu'on roule pas vite pour le fun. On roule vite parce qu'on en a besoin. OK? Merci d'être venu à notre grand reportage. Ah, merci, ça m'a fait d'un gros plaisir. En tout cas, je voulais dire à ma femme, mes 4 chiens et mes enfants, je vous aime bien gros. Puis, salut, ma. En tout cas, ça m'a fait un réel plaisir d'être avec vous, monsieur Lauzon. Serrez-moi la main encore. OK. Bonne journée à tous. Sur ce, on se laisse une petite musique douce. Je pense qu'on va couper ce reportage.